Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Les bourgs sont une composante vitale pour les territoires français. Ils tissent le paysage à l'échelle humaine. Mais pendant les 30 dernières années, les industries les ont quittés, puis les habitants et ensuite les commerces. Dans cette France d'après Covid, ces bourgs font quand même rêver de nombreux citadins. Justement, ces territoires se réinventent et se transforment. Participation citoyenne, valorisation du patrimoine, usage innovant, intégration de nouvelles technologies de construction. Comment l'architecture peut participer à la revitalisation des bourgs en préservant leur identité tout en les propulsant dans l'avenir? Pour en parler, Isabelle Moulin, secrétaire générale de Europe en France, Azilis Brodic, architecte urbaniste de l'agence ZCCS. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Et comme à chaque émission, nous retrouverons également la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et en fin d'émission, l'agenda de Dominique Boré, président d'honneur de la Maison d'architecture d'Île-de-France. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Alors Isabelle Moulin, vous êtes architecte et urbaniste, diplômée en 1986 de l'ENSA Versailles. Vous avez travaillé pour des agences sur des projets urbains et de paysages et en nom propre sur des projets d'architecture publique et privée, essentiellement en reconstruction, réaménagement et transformation de l'existant. Vous avez pris la direction d'Europe en France il y a 12 ans et à ce titre, vous avez mené ce dispositif transculturel et innovant avec 58 collectivités territoriales. Vous avez côtoyé, encouragé, valorisé et même aidé à l'accès à la commande plus de 170 équipes d'architectes, urbanistes, paysagistes, lauréats du palmarès européen en France. Bonjour Isabelle Moulin. Bonjour. Azilis Brodic, vous êtes architecte urbaniste, diplômée de l'école d'architecture de Bretagne. Vous avez également une formation sur les enjeux de la ville éco-responsable à l'UPEM, que vous avez fait en 2019. Vous y avez développé un mémoire sur la question du genre dans l'espace public. Vous êtes chef de projet depuis 2020 chez ZCCS, une agence d'urbanisme qui intervient sur tout le territoire français, aussi bien dans les grandes villes que dans les territoires ruraux. Bonjour Azilis. Bonjour. Alors pour commencer, si on peut faire un état des lieux des bourgs en France, quels sont les enjeux de ces lieux entre gros villages et petites villes, Isabelle Moulin ? Les enjeux sont sans doute, je veux dire, peut-être des choses qui vont choquer, mais l'adaptation en fait. L'adaptation à une société qui change beaucoup. Et l'adaptation, elle se fera évidemment avec les habitants au sens large, c'est-à-dire que ceux qui fréquentent ces territoires, ceux qui résident, mais aussi ceux qui travaillent ou qui reconstruisent des vies, des modes de vie différents. Et donc, les bourgs, à la fois, c'est un passé très attachant pour la plupart des Européens, là, parce que là, on va parler de l'Europe. Et en même temps, il y a une adaptation inévitable à faire. Parce qu'actuellement, on est dans une situation un peu préoccupante, parce que, comme je disais en introduction, il n'y a plus d'industrie depuis quasiment 30 ans. Il y a des habitants qui s'en vont, avec laissant derrière eux un patrimoine qui est en train de dépérir. Il n'y a plus de commerce parce qu'il n'y a plus de clients. Et c'est une espèce de cercle vicieux. Comment vous observez-vous ça depuis votre Europan, votre statut oui. d'Europan? Alors depuis Europan, c'est vrai qu'Europan était plutôt... on voyait Europan plutôt dans des grandes métropoles ou dans des grandes villes pendant assez longtemps, puisqu'on a travaillé dans un premier temps avec des bailleurs sociaux d'ailleurs, avec des villes qui arrivaient avec des bailleurs sociaux qui étaient des partenaires, surtout sur la question de l'habitat, du logement. Et puis petit à petit, on a vu apparaître des questionnements. D'abord, les bailleurs sont partis, les aménageurs sont venus un moment, puis après ils n'étaient plus là. Et on a commencé à élargir le champ des sites choisis pour Europan. C'est-à-dire qu'on a encore travaillé sur, évidemment avec des métropoles, mais aussi des grandes villes, mais aussi des petites villes, voire des communes rurales. Mmh. Je pense que la première fois qu'on s'est intéressé aux communes rurales, c'était pour Europan 13. Le thème était la ville adaptable.
et où on a fait un multisite. C'était les premiers multisites à Europan. Je pense qu'on a vraiment innové aussi. Mais surtout, eux ont innové en faisant Europan, en fait. Trois communes différentes qui se sont mis, qu'on a mis en réseau, un réseau un peu créé, un réseau de pensée, en tout cas. C'était trois communes très différentes, 800 habitants, 3000 habitants et 10 000 habitants, en essayant de trouver des points communs ou des antagonismes et en questionnant, en demandant aux jeunes architectes de se positionner sur comment revitaliser, comment régénérer ce territoire. Justement, alors, on peut peut-être rappeler, juste pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, Europan, c'est d'abord sous la forme d'un concours. Alors c'est un concours, mais c'est plus qu'un concours, c'est, on va dire, c'est un dispositif presque européen qui existe depuis longtemps, qui a pris la suite du PAN, le programme d'architecture nouvelle. Donc 88, hein, je crois 1988, c'est la création d'Europan, avec quelques pays qui ont été vraiment très précurseurs dans Europan, l'Espagne, la Suisse, la Suède, et petit à petit d'autres pays sont venus, l'Allemagne dans la totalité de son territoire réouvert après 89. C'est un dispositif, je dis que c'est un dispositif parce que effectivement c'est un concours, le concours étant une des phases finalement d'Europan. Auparavant, des collectivités vont faire candidature pour proposer des sites. Évidemment, on va aussi aller visiter les sites, avoir un dialogue avec eux, avec ces représentants de collectivités. Et c'est là, ensemble aussi, finalement, qu'on va pouvoir déterminer comment présenter au mieux le site. Alors Zélie Bourdic, vous êtes architecte, on va dire opérationnel, surtout urbaniste opérationnel. Vous intervenez sur quelques bourgs en France. Et quel est votre état des lieux, votre regard sur ces bourgs en ce moment? Quelle est votre analyse? Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on travaille sur un certain nombre de petites communes, donc souvent avec des interventions qui vont être variables. Hein. Soit on accompagne les collectivités dans des programmes type Petite Ville de Demain, soit on peut avoir des interventions sur l'espace public. Et un accompagnement un peu plus au long cours sur les nouvelles opérations, donc voilà, vraiment une approche un peu globale. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de communes qui ont énormément de potentiel qui préexiste, que ce soit sur un accès à la nature, aux espaces de nature à proximité, un patrimoine qui est là, qui n'est pas forcément valorisé à sa juste mesure. Et puis aussi des attentes de la part des habitants de pouvoir se déplacer à pied, à vélo, finalement de vivre leur vie au quotidien dans une dimension où il se passe plus de la voiture, par exemple, c'est une thématique importante. Donc on peut dire qu'il y a des potentiels en place, mais que finalement il y a un travail un peu de réparation à faire sur un certain nombre de centres-bourgs qui ont parfois été assez malmenés par une urbanisation sous format de lotissement dans les années 80. Donc il y a un peu cette attente de la part des maires, des élus. Ils ont souvent des attentes très fortes en fait sur une redynamisation et notamment aussi tout ce qui est l'accès aux équipements, aux services et le maintien du commerce. Donc on peut. Parce que oui, effectivement, selon l'INSEE, 70% des communes rurales ne disposent d'aucun commerce. Alors nous, c'est pas forcément ce qu'on constate dans les communes dans lesquelles on travaille. Souvent, on voit qu'on a un commerce qui existe, qu'en revanche, il faut le maintenir, il faut le permettre son accessibilité. Donc c'est plutôt une logique de maintien de la vocation commerciale. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique à consolider forte et la question des services est très importante aussi, par exemple avec les maisons de santé. Donc on voit qu'on a besoin un peu de ces figures qui constituent les éléments d'attractivité d'un centre-bourg, que ce soit l'école, les services, les commerces. Donc c'est vraiment les éléments fondamentaux. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment l'entité urbaine qui fait un peu le lien entre le monde rural, voire agricole, et les grandes villes, enfin, et même les métropoles. Et est-ce que le changement de l'industrie, de l'agriculture, de l'agro... L'agronomie, est-ce que ça a un impact aussi sur ces bourgs? Oui, je suppose. Isabelle Moulin, peut-être que vous avez une idée là-dessus. Oui, parce qu'il y a souvent une déconnexion, surtout.
en fait, entre... Alors, tout ça, c'est un peu des termes généraux, parce qu'il n'y a pas... Moi, j'allais dire, il y a autant de cas que de bourgs en France. C'est vrai qu'il y a une histoire industrielle, de désindustrialisation. C'est vrai que... Il y a une perte d'habitants, mais pas toujours. Il y a encore des habitants, il y a encore des résidents et des habitants. Il y a encore aussi des jardins à côté de l'industrie, de l'agriculture peut-être plus industrielle. Il y a encore des petits aussi agriculteurs. Enfin, il y a plein de cas très très différents. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est de regarder ces ressources, en fait, les ressources d'un lieu. Et évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire avec Ropan. En fait, on essaie de faire monter un peu ces qualités. C'est surtout les candidats qui le font d'ailleurs en phase concours. C'est un concours d'idées, je rappelle, à l'échelle européenne. Ça permet aussi de comparer ce qui se passe dans différents pays. Et alors, est-ce que ces problématiques se retrouvent entre, je sais pas, j'ai envie de dire l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France? L'Espagne est peut-être un pays qui est assez proche, même si la gouvernance est totalement différente. Par exemple, en Espagne, ce sont les régions souvent qui accompagnent les collectivités qui veulent présenter un site. On voit bien la différence. Et en fait, en Espagne, il y a beaucoup de villages. Il y en a encore en Allemagne, beaucoup. Alors, on a vu, en fait, l'apparition de cette notion de village ou de petite ville dans Europan, elle a été concomitante dans plusieurs pays. Parce qu'en fait, voilà, il y avait des problèmes concrets qui apparaissaient. Les services qui sont plus là ou qui disparaissent. C'est surtout les modes de vie qui changeaient aussi fondamentalement. La question de la mobilité aussi est essentielle. Voilà, c'est pour ça. Et puis, la question de l'adaptation au changement climatique, parce que ça, il faut bien s'adapter, on n'a pas le choix, même si on essaie de changer ça. Mais... David Trottin. Oui, la dernière émission que nous avons faite, c'était sur les entrées de ville et le commerce qui s'était exfiltré finalement du centre-ville. Finalement, à l'échelle du bourg, c'est aussi quelque chose qui a déstructuré énormément le fonctionnement, parce que vous mettez une petite zone d'activité entre 3 ou 4 villages ou bourgs, et finalement la voiture fait le lien, on vide ça vide encore plus rapidement que dans des villes un peu plus importantes, le lieu de rencontre, l'endroit où finalement les gens vont faire ville. Oui, tout à fait. Et puis la question de l'accès au commerce, finalement, c'est des territoires qui sont quand même très dépendants à la voiture. Il y a parfois peu de transports en commun, de desserts en transports en commun. Donc il y a une nécessité finalement de permettre une accessibilité pour les voitures et pour le commerce. En revanche, c'est vrai que cette question de maintenir le commerce en centre-bourg, ça pose la question de la répartition de l'espace public et pour permettre d'autres usages que ceux qui sont aujourd'hui dédiés à la voiture et aux zones de stationnement. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est parce que finalement, c'est ce qu'on retrouve dans les échanges qu'on peut avoir soit avec les élus, soit avec les habitants. C'est un peu une crispation autour de la question de la voiture et justement qui avec finalement des postures qui sont parfois favorables au déplacement des zones commerciales hors des centres-bourgs justement pour cette accessibilité. Donc là, nous, notre rôle souvent, c'est un peu d'accompagner un peu les habitants, les élus sur l'identification d'espaces qui peuvent être maintenus pour permettre une accessibilité et en revanche permettre de se déplacer à pied, d'aller dans ces commerces à pied. Et finalement, les commerçants qui initialement vont être réticents à ce nouveau partage des espaces sont souvent les premiers bénéficiaires de cette nouvelle qualité d'espace public qui renforce l'attractivité du centre-bourg et donc du commerce. Justement, c'est intéressant de faire ce parallèle avec les dernières émissions parce qu'on avait d'un côté cet urbanisme d'entrée de ville où, je crois, de mémoire, 70% des Français y dépensent leur argent, on va dire, mais qui est considéré comme de la non-ville et détesté des Français. Et de l'autre côté, ces territoires qui sont ces bourgs qui sont pour le coup pas du tout actifs, mais qui sont adorés des Français. Donc il y a une espèce de gros paradoxe là-dessus, Isabelle Moulin. Je pense que c'est un peu une image d'Épinal, excusez-moi, mais parce qu'en fait, les centres commerciaux, alors d'abord, lesquels? Mais il y a des zones commerciales en sortie de ville, de petites villes, qui sont des lieux qui ont 30 ans aujourd'hui, d'abord qui sont en train de muter, qui sont parfois fermés, dont des magasins ferment,
Et c'est aussi des lieux qui deviennent des potentiels pour faire des choses. Mmh. D'ailleurs, ces entrées de ville, elles intéressent beaucoup Europan. On en a déjà, on nous a soumis des sites comme ça, des propositions de sites. C'est très intéressant parce que c'est quand même des lieux qui appartiennent aussi à des modes de vie contemporains. Et alors souvent, il y a aussi ces blocages avec le foncier qui est privé, etc. Mais ce sont des lieux qui vont muter et ce sont des lieux où il y a des potentiels aussi d'activité, de vie. Il y a de la place, on peut faire plein de choses. Il y a des articles d'ailleurs sur les mots, l'américain, une chercheuse qui a, j'ai oublié son nom là, c'est dommage, mais dans la revue Habitante qui a écrit un article là-dessus, sur le devenir de ces zones commerciales. Il y a plein de choses à faire avec les zones commerciales. Alors, David, c'est l'heure de votre agenda chronique, pardon, édito. Alors, vous allez nous parler d'Eldorado, de Mad Max, de Pizé, de Steve Jobs, tout ça en restant dans le sujet. Alors, comment vous allez faire? Ouais, je vais essayer. Bon, Eldorado, bah, ça va être facile parce que si la légende de la mythique cité regorgeant de ressources était à la campagne, voilà. C'est ça le postulat. Pour les urbains et surtout depuis la période du Covid et le télétravail, les bourgs de campagne ont cet effet de fascination. Eldorado, changer de vie. On ne fantasme plus la cité d'or, mais le trésor de la vie à la campagne. Plus en phase avec les rythmes de la nature, moins de stress, une vie plus saine en quelque sorte, mais avec du réseau, sinon ça marche pas. À ces valeurs traditionnelles de l'attrait de la vie rurale se sont rajoutées une dimension existentielle, voire survivaliste pour certains. Tu y vas fort quand même. Oui et non, si vous tapez « Où bien vivre en France » en 2050 sur Internet, vous n'obtiendrez que des destinations rurales. Pour les éco-anxieux, la campagne offre un refuge loin de la première ligne des villes en matière de hausse de température, de pollution, de stress et de risques. Donc c'est le glyphosate vs le CO2. Et pour les plus radicaux, ils peuvent encore aller plus loin par les fameux chemins noirs dans les territoires à la recherche d'un nouvel Éden, loin de toute pollution, et tenter une vie en autonomie. C'est là que reviennent nos survivalistes. Bon, nous ne sommes pas encore au niveau des Américains où la peur d'un possible effondrement climatique pousse certains collapsologues ou Phil à s'entraîner à la survie en milieu d'apocalypse, style Mad Max. Mais la fascination de la frugalité heureuse avec du réseau et un moteur du retour à la Terre pour beaucoup de néo-ruraux. Retour à la Terre, ça fait un peu années 70 quand même. Effectivement, il y a un lien avec les mouvements contestataires des années 70 qui voulaient déjà quitter la société de consommation et la ville. À l'époque, déjà, le bénéfice dans les campagnes a été très important. Ces néo-ruraux ont relancé des territoires désertifiés, en Ardèche notamment. Ils ont réintroduit des exploitations paysannes plus respectueuses des territoires. Mais revenons à notre sujet des bourgs. Il n'y a pas une seule problématique, comme le disait Isabelle. En fonction de l'histoire agricole ou industrielle et de la proximité avec une ville, de l'attrait régional, touristique ou climatique, on observe des situations très contrastées. Cependant, les problématiques récurrentes sont souvent les mêmes, et notamment celles du patrimoine bâti. Majoritairement édifiés avant le XXe siècle, à l'époque où il fallait des bras pour la terre, ces bâtiments anciens, très qualitatifs et pittoresques, sont l'âme de nos campagnes, mais sont dans des états d'usure avancés. Les typologies de fermes, de granges, de bâtiments religieux, de friches industrielles, de chapelles, de logements, qui sont parfois trop biscornus et trop petits ou parfois trop grands, on a des manoirs, des châteaux, ne sont pas faciles et transformables par rapport aux besoins actuels. Un EHPAD, une école, des logements sociaux, même un coworking ou un centre commun, c'est complexe à faire rentrer dans une ferme ou une église, surtout avec la protection patrimoniale. Donc, si l'on construit, c'est en neuf, à l'extérieur des bourgs, sur des terres agricoles, et on laisse tomber en ruine le patrimoine qui, au mieux, finit en logement de week-end ou en hôtellerie quand les conditions sont réunies. Cependant, les états d'esprit changent, et c'est ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui ensemble, et de ce côté, certains élus et propriétaires cherchent à revitaliser leur centre-bourg, mais aussi les architectes, notamment avec la nouvelle génération, pour qui la décarbonation de la construction est au cœur des problématiques. Et qui voient dans les modes de construction traditionnels de la ruralité des exemples à suivre et des techniques à redévelopper. Bois, pierre, terre crue, pisé, paille, chaume, briques, tous ces modes constructifs qui font la tendance de l'architecture actuelle sont la réalité séculaire des bourgs français. En y rajoutant quand même un peu de fer, de tôle et pas mal de parpaings. Mais une économie de matière, autant qu'un rapport à l'environnement plus équilibré. De l'attrait de la matière, on passe à l'architecture qui en découle et aux formes urbaines. Bref, il y a en ce moment un attrait pour la ruralité heureuse, mais avec du réseau. Et donc un terrain favorable pour mettre un coup de frein à la désertification rurale, imaginer une revitalisation des bourgs et un entretien du patrimoine. Mais retour au réel. Il nous manque ici la parole de l'élu local qui dirait la difficulté de la ruralité avec un premier, les transports, on en a parlé, le manque de services, le manque d'emplois et le désespoir paysan qui traverse un petit peu tous ces éléments. Et cet Eldorado qui attire les post-urbains et qui font monter les prix et prive les locaux de l'accès au logement. Pour finir,
Je vous conseille, je vais faire comme Dominique, un conseil lecture à tous ceux. Donc, c'est un conseil lecture hippie pour tous ceux qui veulent faire leur retour à la Terre. Je vais vous parler du World Earth Catalogue, la Bible des Builders de Stewart Brand, paru pendant les années 70. C'était un magazine alternatif de vente par correspondance, présentant des solutions à acheter, mais surtout à faire soi-même pour envisager son exfiltration des villes. Les articles traitaient de l'agriculture écologique, de l'autosuffisance, de la construction environnementale et solaire, de développement personnel, de la fabrication de compost et aussi de cybernétique. Son dernier numéro reste célèbre pour sa petite phrase de quatrième de couverture « Stay hungry, stay foolish » que s'est réapproprié un célèbre hippie passé à la téléphonie, Steve Jobs. Le retour à la Terre et le réseau sont définitivement liés. Merci David Trottin. Isabelle Moulin, alors c'est intéressant de toutes ces remarques qui ont été évoquées dans la chronique de David. Il y a effectivement cette appétence, retour aux sources, retour à la Terre. Je pense que dans Europan, il y a cette volonté de retour à ces bourgs. Je crois qu'Europan 16, c'était consacré aux villes vivantes. C'était consacré tout à fait Ville Vivante, Europan 16, Europan 17. Ça fait un moment qu'on faisait deux sessions un peu. Voilà, donc la revitalisation, quoi. Voilà, c'est faire deux fois, c'est intéressant parce que ça permet de revisiter la première fois. Et alors, oui, il y avait notamment une expérience à Auneuil très intéressante avec un bâtiment qui était une usine qui avait, on peut dire, qui avait été abandonnée du jour au lendemain, qui fabriquait. C'était une création de frères qui étaient des véritables artistes, qui faisaient des conceptions de céramique architecturale. C'est du grès céram dans une région où il y a tout à fait la terre pour le faire. Et donc, cette usine avait une architecture très, très intéressante. Et ils avaient notamment recouvert les murs. Ils avaient fait une maison catalogue où il y avait les murs des façades extérieures et intérieures entièrement recouverts de céramique architecturale, tout ça. Et heureusement, tout ça devait être quand même détruit par l'agglomération. On est dans le Beauvaisis. Et puis, un architecte des Bâtiments de France a réussi à classer ou inscrire l'ensemble aux grandes dames des élus de l'époque. Et ensuite, on a fait un Europan sur ce site. Qui a été proposé par un nouvel élu. Et il y a une équipe qui a gagné le concours, qui était lauréate, et ensuite ils ont travaillé avec les équipes du palmarès, il y en avait trois, ils se sont mis ensemble, en collectif, et ils ont surtout gagné avec un projet qui montrait qu'on pouvait tout à fait réutiliser non seulement la matière du bâtiment lui-même. Évidemment, il y a des parties classées, ça, il fallait réparer. Mais c'était intéressant parce que cette notion de réparation, de démolition inévitable de ce qui était déjà démoli, de réutilisation, etc. Et tout ça a généré un projet complet, presque. C'est presque la définition de l'architecture, d'ailleurs. L'architecture, ce n'est pas seulement l'art de bâtir, c'est aussi un art beaucoup plus large d'avoir une philosophie de la construction, de la réparation et de la régénération d'un lieu. Et ils ont fait un projet absolument très intéressant, qui a très bien marché, avec ensuite des ateliers. Mais je dirais, moi, ce n'est pas un retour. Ça n'a rien à voir. Vous savez, les conditions de travail dans cette usine, quand elle fonctionnait, c'était abominable. Mais chacun était très qualifié. Ça créait une fierté des gens qui y travaillaient. Mais les conditions étaient atroces. Il faisait 50 degrés à l'intérieur. Enfin, voilà, personne n'a envie d'aller retravailler dans ces conditions. Mais par contre, voilà, donc c'est pas un retour à autrefois, pas du tout. On repart pas dans le passé, on va vers l'avant. C'est-à-dire, on repart des ressources. Et effectivement, il y a la mémoire. Déjà, la mémoire est une ressource. Parce que comment envisager le futur si on n'est pas en accord avec son passé, quelque part? Et on va aller imaginer de nouvelles vies, c'est exactement ça, hein, la campagne avec les réseaux, mais la campagne aussi avec ses habitants qui sont souvent très mobiles. Voiture ou train, où il y a une mobilité aujourd'hui, des activités.
Et il y a de l'industrie. C'est Pierre Vels qui l'a écrit dans son livre La ville hyper-industrielle. C'est très intéressant de lire. Aujourd'hui, l'industrie, ce n'est pas des grosses usines avec des logements ouvriers autour. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Ça se passe très, très différemment. Il y a des systèmes, il y a des petites entreprises qui fonctionnent, qui fabriquent des produits pour d'autres. Il y a beaucoup de petits réseaux. Et le réseau est essentiel, en fait. Aziz Bourdic, je me retourne vers l'architecte urbaniste opérationnel. Vous, dans vos projets concrètement, vous attaquez à quel type de sujet ? Alors, par exemple, on a beaucoup travaillé à Ruaudin, qui est une petite commune à côté du Mans. Avec vraiment un projet de revitalisation du centre-bourg, donc avec une approche sur l'espace public, tout d'abord. Donc, l'idée, c'est toujours de partir de l'histoire d'un site, de partir de ce qui fait sa singularité. C'est quelque chose d'assez récurrent, hein, l'histoire et le passé, c'est récurrent. C'est vrai qu'on a chaque commune a sa propre histoire, a sa propre singularité. En revanche, on retrouve quand même des problématiques communes quand on travaille sur des centres-bourgs. Qui vont être un peu restituer une trame d'espace public, une mise en lien. Finalement, l'espace public apparaît un peu comme le lien qui va venir amplifier finalement les ressources en présence. Donc, une valorisation de ce qui structure un peu le centre-bourg, c'est-à-dire l'église, l'école, la mairie. C'est aussi permettre un accès à la nature, hein, comment on va du centre-bourg jusqu'à la nature, qui est souvent très proche. Donc, comment on tisse des liens, des pistes cyclables, des parcours piétons confortables. Comment on ramène de la nature aussi dans les centres-bourgs. Parce que finalement, cette nature qui est très proche, qu'on perçoit quand on sort du centre-bourg, c'est rare quand elle infuse un peu le centre-bourg. C'est presque un paradoxe. En fait, à la campagne, il n'y a pas d'espace public, finalement. Dès qu'on sort, le champ, il appartient à quelqu'un. Exactement. Souvent, c'est pas... Finalement, la nature, elle est plus vue que pratiquée. Donc, c'est vraiment... Et puis, il y a des chemins, par exemple, qui sont proches, hein, des chemins de randonnée. Mais finalement, il faut prendre sa voiture pour y aller. Donc là, l'idée, c'est vraiment un peu d'agréger un peu ces potentiels. Et de constituer finalement des ambiances de centre-bourg qui sont apaisées et agréables. Donc, et est-ce que les habitants qui restent sont porteurs d'initiatives de... Alors, quel genre de génération aussi Est-ce que c'est les anciens? Est-ce que c'est les jeunes? C'est assez mélangé. Je pense que chacun a des attentes un peu spécifiques. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes en fonction du degré de mobilité, en fonction de l'âge. C'est vrai que dans les centres-bourgs, les adolescents, comme partout ailleurs, vont avoir envie d'accéder à des équipements, des skateparks, donc c'est pas finalement spécifique au centre-bourg. Chacun, selon sa génération, a des attentes un peu spécifiques. Mais il y a un travail. Nous, on travaille souvent. Alors, on mobilise les habitants pour avoir un peu leur ressenti sur ce qui existe et aussi sur ce qu'on propose. Alors, on fait des concertations, ça peut varier, soit c'est des concertations sur site, soit des concertations plus numériques. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des attentes assez diverses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les réactions face aux projets qui sont proposés, parce que finalement, ça initie aussi de nouveaux usages. Donc, ça, c'est intéressant. Des enfants qui vont, par exemple, à l'école, ou des collégiens qui vont à l'école... en voiture, accompagnés par leurs parents, s'il y a un parcours piéton sécurisé, confortable, ils vont pratiquer l'espace public et se déplacer à pied, seul, dans le centre-bourg. Et quels sont ces nouveaux usages, justement? C'est intéressant, cette notion. Alors, par exemple, toujours à Ruaudin, on travaille sur il y a une ancienne ferme qui préexiste, qui est vraiment lisière du centre-bourg. Et il y a eu, justement, une démarche participative avec les habitants pour définir ce que pourrait devenir cette ferme, quels nouveaux usages on pourrait y programmer. Donc il y a eu des fortes attentes d'espaces partagés, d'espaces où on peut cultiver en commun, mais aussi des espaces ludiques pour les enfants, et aussi des espaces pour pouvoir accueillir des lieux de convivialité, etc. Donc il y a eu tout un travail programmatique qui a été fait en lien avec les habitants et en lien avec les élus. Et on aboutit à un projet qui est intéressant parce que c'est une ancienne ferme qui était entourée de douves qui ont été partiellement remblayées. Donc là, on réouvre les douves, on remet à jour finalement une structure qui préexistait et on insuffle une nouvelle programmation qui est issue des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants. Isabelle Moulin, je suppose que dans le concours Europan, c'est un véritable laboratoire créatif de nouveaux usages aussi pour les bourgs.
Oui, parce que les architectes qui font le concours, qui rendent un projet, ils vont rendre un projet étayé par, non pas une programmation, on ne prononce pas le mot Aéropan de programmation, mais plutôt d'idées, de mode de vie, d'activités, etc. L'activité autour des ressources, très importante. D'ailleurs, le thème de la prochaine session, Aéropan qui commence là, qui sera le long concours, sera lancé en mars 2025, c'est sur le thème ressourcer. Donc ressourcer à la fois les modes de vie, à la fois les modes de production, à la fois jusque... Donc là, on a un thème qui va pouvoir se développer sur presque un concept philosophique à un effet sur la construction, sur la question de réutiliser les ressources, y compris des anciens bâtiments. Voilà. Alors moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Oui, alors c'est vraiment un laboratoire d'idées, oui, tout à fait. 200 projets rendus en France seulement la dernière fois. Il y en avait quand même 800 en Europe. Alors, certains diront, c'est rien, à côté des débuts d'Europan. Maintenant, ça s'est quand même stabilisé, mais c'est quand même pas mal, surtout quand il faut analyser tous ces projets. Mais c'est quand même une fabuleuse ressource, pour le coup. Hein, ressource d'idées, d'intelligence, qui est très intéressant. Et puis, évidemment, l'idée, c'est quand même aussi que ces idées puissent être développées et mises en œuvre. Alors, mettre en œuvre une idée, ça passe par de nombreuses phases. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'habitat et du logement, c'est quand même essentiel. Mmh. Dans les petites villes, il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments qui n'ont pas été entretenus. Une famille ne peut pas aller dans des vieux bâtiments qui sont avec des petites pièces où il n'y a pas de... Il y a eu une dégradation du bâti dans beaucoup de bourgs. Je l'ai vu en Corrèze. Et il ne faut pas s'étonner ce que des familles aient envie de vivre dans plus de places, ailleurs, en fait, dans un lotissement même. Hein, ce n'est pas un gros mot. C'est vrai qu'il y a eu ces changements fondamentaux, le rapport à l'espace, etc. Alors, il faut rénover. Enfin, il y a vraiment une urgence de transformer, de rénover, de permettre à l'habitat de se ressourcer, si je puis dire. Et puis aussi, et c'est comme ça qu'on ramènera aussi des résidents, et que les jeunes qui ont quitté parfois pour faire des études leur village ou leur bourg ou leur petite ville, qui ont envie d'y revenir, mais quand ils ont envie d'y revenir, ils ne peuvent pas se loger la plupart du temps. Donc ils n'y reviennent pas. Ça, c'est un problème récurrent qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Habitat, logement, et puis il y a le socle du paysage qui fait aussi ce lien. On parlait de l'espace public, le paysage, il est très important aussi pour donner une identité. C'est-à-dire que là, on est dans la biorégion aussi. C'est-à-dire qu'en fait, un village, un bourg, il n'est jamais tout seul. Il appartient à minima, à une géographie, à une histoire, bien sûr, mais il est en lien, en fait, en réalité. Et souvent, ces liens sont à activer et sont à analyser et à activer. Alors justement, c'est une très bonne transition, parce qu'on voudrait, je voudrais diffuser cette interview de Simon Campedel, qui est un architecte, ingénieur, chercheur de l'atelier FP01 à Toulouse. Il est en train de soutenir sa thèse exactement maintenant à Toulouse. Et le sujet, c'est la physique de l'architecture vernaculaire. Donc il y a toute une réflexion sur comment rénover intelligemment, d'un point de vue très technique, mais du coup ça va même au-delà, comment rénover les bourgs en France. On va l'écouter, écoutez bien. Ma thèse s'intitule « Physique du patrimoine vernaculaire », donc effectivement c'est exactement l'idée de porter une réflexion technique sur la façon dont on peut transformer les bâtiments anciens qui forment le gros quand même des centres-bourgs, des centres-villes, notamment dans les petites et moyennes villes qui n'ont pas été trop transformées. Ça part du constat que souvent, il y a des destructions qui sont menées d'une double façon. Elles sont menées d'une part parce que parfois, de par des protections patrimoniales qui sont trop fortes, on est empêché d'agir et donc le fait de ne pas agir empêche de transformer les maisons, de leur redonner un usage, et ils font qu'elles, petit à petit, par le fait qu'elles soient abandonnées, elles sont plus entretenues, donc elles sont détruites. Et d'autre part, il y a l'approche inverse, c'est-à-dire que par défaut de protection, parfois on applique sur ces équilibres qui sont pourtant fragiles, des solutions standardisées, qui sont à base de matériaux industriels, qui sont pas adaptés à ces architectures-là, puisque ces architectures-là reposent
sur un équilibre très complexe qu'on peut représenter par le fait d'utiliser toute une série d'indicateurs pour les caractériser plutôt qu'un seul, qui est la résistance thermique, qui est celui auquel est souvent réduite la problématique de l'approche écologique du bâtiment, notamment sur les bâtiments neufs. Quand on voit les graphiques, on se rend compte que le paysage de la performance d'un bâtiment ancien, quand on prend en compte des indicateurs, eh ben, il est très variable et on voit que des bâtiments anciens qu'on croit pas performants peuvent l'être et de manière assez impressionnante quand on prend en compte l'impact fin de vie, l'effet puits carbone, par exemple des bâtiments à pans de bois où il y a beaucoup de bois, l'inertie thermique et donc l'impact sur le confort d'été, voilà la question des ventilations, la compacité aussi des bâtiments qui a un impact direct. Mais j'ai aussi fait l'exercice de le prendre à l'échelle de l'îlot, à l'échelle de la ville. Voilà, c'est aussi moi en tant qu'architecte, ça m'intéressait d'avoir ces outils-là pour pouvoir justifier une approche de projet, quoi. Et moi, je pousse même le curseur un peu plus loin en disant, et si le patrimoine, en fait, ça pouvait être un peu une utopie, c'est-à-dire de se dire que le patrimoine, c'est peut-être finalement l'architecture de demain et peut-être que les innovations qu'on cherche par le développement de techniques nouvelles, de matériaux nouveaux, etc. Est-ce que on n'a pas déjà derrière nous assez d'innovation du point de vue de la construction pour pouvoir se projeter dans savoir comment on pourra peut-être bâtir demain? Alors, effectivement, ça fait écho aussi à la chronique de David Trottin qui parlait aussi de ce laboratoire de construction pour demain. Isabelle Moulin, est-ce que vous êtes porter aussi une attention particulière dans Europe 1 sur les techniques constructives? Alors, bon, c'est un concours d'idées, ce qui fait que les candidats ont le choix aussi d'aborder les questions posées. Ils peuvent reposer d'autres questions qu'on n'aurait pas posées dans un dossier de site, par exemple. Ils vont se faire, ils vont s'approprier les sujets qu'on porte et parfois les transformer. Donc on peut aller très loin. Il y a des projets qui vont très loin, notamment je parlais du projet d'Auneuil. Cette année, il y avait pour Europe 1 17 une friche industrielle coopérative agricole dans un village du Gers à Florence, où il y a eu toute une analyse, parce que le patrimoine n'est pas forcément en pierre et en terre. Il est en béton quand il est industriel. Il est et ça c'est un patrimoine aussi. C'est pas parce que c'est en béton qu'on va pas le conserver. Au contraire, le béton est un matériau extraordinaire, même s'il pollue beaucoup, certes. Donc si on peut réutiliser le béton qui existe, réutilisons-le. Ça s'est posé aussi à Pont-Aven. Il y avait une ancienne friche sur une dalle en béton. Et évidemment, le maire avait dit tout de suite, on va garder la dalle, parce que c'est la dalle, ça coûte cher, et puis elle est là, donc on va s'en servir. Mmh. Voilà, donc c'est quand même très intéressant aussi de considérer ce qu'on peut utiliser, transformer. Moi, je pense, je reviens sur les propos de ce jeune homme qui s'exprime sur sa thèse. Je pense que il y aura toujours de l'innovation. L'innovation, ça s'arrête jamais. Enfin, c'est le propre, je crois, de l'homme, en tout cas, d'innover, d'aller chercher, de trouver des solutions. Et puis peut-être qu'avec des solutions d'intelligence artificielle, on arrivera à résoudre des problèmes de réparation, de restauration, de transformation. Et Aziz Broudic, vous nous disiez en préparant cette émission qu'il ne fallait pas forcément sacraliser le patrimoine aussi, à l'inverse, qu'il faut savoir parfois aussi le démolir si c'est de manière intelligente. Disons que je pense que tout ce qu'on entend, ça pose un peu la question du degré de patrimonialisation. C'est effectivement qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce qui est considéré. Et l'écueil, c'est peut-être justement de rester dans un espèce d'immobilisme, de sanctuarisation de centres-bourgs qui sont parfois, notamment pour la question du logement, qui sont parfois inadaptés aux attentes d'habitants aujourd'hui. Donc je crois que c'est Simon Tessou qui en a beaucoup parlé, mais le fait de pouvoir ponctuellement déconstruire des bâtiments pour offrir des qualités aux logements de centre-bourg, notamment des espaces extérieurs qui vont ramener des familles, donc ramener de la dynamique. Je pense que c'est intéressant quand même. Ça participe aussi de la revitalisation des centres-bourgs, d'avoir des habitants. Et quel est le travail avec les ABF dans ces cas-là?
Je suppose qu'il doit être très protecteur. Oui, alors nous, ce qu'on essaye de faire toujours, c'est de, ce qu'on disait un petit peu en début d'émission, c'est-à-dire de caractériser, d'identifier, de singulariser un centre-bourg, et notamment sur sa matérialité. Donc après, le travail qu'on fait, c'est qu'on... toujours un peu dans cette logique de réparation, de renforcer une identité de centre-bourg, c'est de... quand on accompagne les nouvelles opérations immobilières, c'est d'avoir une attention à garder une matérialité qui soit cohérente avec l'histoire du centre-bourg et aussi dans les espaces publics. Ça crée des ambiances urbaines, même si c'est par petites touches. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans ni du pastiche, ni... d'ailleurs, l'intérêt d'une ville, c'est aussi de lire les époques qui se succèdent. Donc, mais c'est vrai qu'un travail sur les formats bâtis, par exemple, ou la matérialité d'un lieu, l'inscription des nouvelles opérations dans un parcellaire qui soit cohérent avec la trame vière, avec les maisons anciennes, etc. Ça participe d'un degré, on va dire, de cohérence, sans rester dans une logique d'hyper-patrimonialisation et dont on ne touche à rien et rien ne bouge. C'est... Mmh. Voilà. David Trotin. Oui, vous avez dit sur quoi je voulais rebondir. C'est vrai qu'on a souvent l'impression dans la gestion du patrimoine un peu à la française qu'il faut rien toucher. Alors que qu'on va dans d'autres pays, on va en Espagne par exemple, il y a un rapport beaucoup plus actif avec la question du patrimoine et de la stratification des interventions des différentes époques qui peuvent s'exprimer. Il y a un respect, il y a une cohérence, il y a des choses à trouver, il y a de l'inventivité, mais ça peut réorienter pour rendre ce qui s'est toujours passé notamment à la campagne, où les bâtiments étaient adaptés au fil des temps. Quand on regarde une ferme qui a pu être faite au Moyen-Âge, elle a jusqu'au 19e, voire jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale, été modifié avec des adjonctions, des hangars, des différentes techniques d'époque. On a eu de la pierre, après on a eu de la fonte, voilà. On a toujours adapté. Et c'est dommage d'arrêter de bloquer, ce qui fait mourir les choses, ce que disait très bien l'intervenant précédemment. Mais il y a une notion quand même très importante, c'est que, et les centres-bourgs n'y échapperont pas, c'est qu'il faut adapter ce bâti aux nouvelles performances énergétiques, à la notion de bilan carbone, de RE 2020, etc. Voire même de l'accessibilité handicapée, aux nouvelles normes incendie. Donc à un moment donné... il va falloir quand même bousculer un peu ce patrimoine, même si effectivement il est là depuis 500 ans et il n'a pas bougé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, le bousculer, je ne sais pas, mais en tout cas, l'adapter, ce qu'on a un peu dit, c'est-à-dire le rendre, ce patrimoine, le rendre vivable, enfin vivable et vivant. Vécu et vivant, voilà, pour qu'il ne meure pas. Isabelle Moulin. Je dirais qu'il faut avoir une réflexion large, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait avec des ABF, parce que les ABF ne sont pas toujours uniquement focalisés sur la préservation de détails d'architecture, même si c'est absolument leur travail. Et je pense à Régis de Lubac qu'on avait rencontré à Aurillac et qui avait proposé au maire de participer à Europan. Parce qu'en fait, Régis se battait pour justement préserver... Aurillac, c'est cette ville très ancienne. Mais on oublie que tous ces bourgs ou ces petites villes, elles ont un... Bon, alors, c'est le cœur de ville extraordinaire, les bâtiments en pan de bois, parfois très abîmés, etc. Et puis après, vous avez le désert de la ville du 19e siècle. Quand même, les faubourgs qui sont d'une tristesse, d'un étalement urbain aussi, pour aller jusqu'à la gare, etc. Où c'est peut-être là que la ville pêche un peu. Hein. C'est dans ces extensions des extensions de ville du 19e siècle, de l'ère industrielle. Et Régis de Lubac qui disait... en fait, pour faire vivre cette ville, il faut que les différentes parties de la ville soient en lien. Donc un bâtiment, il n'est jamais tout seul, en fait. Hein. Il y a probablement, et ça je ne suis pas compétente pour en juger, il y a des bâtiments qu'il faut absolument préserver, comme des joyaux, il faut peut-être mettre sous cloche de verre, en faire un lieu muséal, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont se transformer, qui vont vivre, qui ont vocation à tout à fait évoluer d'une façon plus rapide, on va dire, ou plus définitive. Dominique Bourret. Je voulais juste poser une question. Quels sont les acteurs économiques de ces rénovations de bourgs ? Alors, les acteurs économiques... Alors,
Si vous voulez, moi, je m'occupe d'un concours d'idées. C'est oui, sûr oui, que. Non, mais ensuite, on là, poursuit. Je m'adresse au. Oui, concours. Alors peut-être c'est que l'urbaniste opérationnel pourra mieux répondre. C'est, non, mais c'est l'essentiel de la question aujourd'hui. Bah, c'est je que trouve. Il y a des projets sur la table, et puis petit à petit, on va arriver à les mettre en œuvre. À Aurillac, le projet continue. Il y a déjà eu une grande partie d'espace public. Pardon, ils sont essentiellement publics, ce sont des acteurs. Ils sont essentiellement publics. Aziz Broudi, quels sont vos clients finalement? Essentiellement, oui. Bah, parfois c'est avec les gares, parfois aussi il y a des projets avec la SNCF. Ça dépend à quel stade aussi de projet on se trouve. C'est-à-dire, par exemple, quand on travaille sur les programmes Petites Villes de Demain, bon, c'est pas un concours d'idées, mais c'est quand même c'est plus une réflexion. On n'est pas dans une dimension opérationnelle immédiate. Donc on donne un peu les outils aux collectivités pour accompagner une redynamisation sur du long cours. Donc en gros, on leur fournit un peu une boîte à outils pour justement pouvoir lancer au fur et à mesure des missions opérationnelles, donc que ce soit sur l'espace public ou sur des opérations de logement, d'équipement, etc. Donc effectivement, c'est surtout c'est des collectivités publiques hein, qui nous missionnent et sur les espaces publics aussi. En revanche, il y a quand même des opérateurs privés qui viennent et qui... Pour réaliser des opérations de logement. Oui, il y a quand même des promoteurs qui tentent des petites opérations qui font 15-20 logements. C'est ça. Et nous, mais souvent on les accompagne quand même. C'est-à-dire qu'on a un plan, on a une réflexion urbaine qui fait qu'eux s'inscrivent ensuite. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place et qui est plutôt saine et rassurante. Oui, on a des cas tout à fait de continuité opérationnelle. Par exemple, à Auneuil, c'est clair que c'est parce qu'il y a un projet qu'on va pouvoir aller chercher des opérateurs ou des partenaires. S'il n'y a pas de projet, on ne fait rien, ou alors on laisse faire, ce qui est de la catastrophe, en fait. Alors, avant de conclure, je voudrais qu'on laisse la parole à Dominique Boré pour l'agenda de ce mois-ci. Dominique, je vous propose de marcher dans Lyon, de visiter les œuvres de Notre-Dame et de vous inscrire sur la maison japonaise. La maison d'architecture de Rhône-Alpes lance le festival Jane's Walk Grand Lyon, qui aura lieu du 2 au 5 mai prochain. Il s'inscrit dans un mouvement international de promenade gratuite dirigé par des citoyens et des citoyennes. Celle-ci s'inspire de la pensée de l'activiste et militante canadienne que je pense que vous connaissez tous, Jane Jacobs, qui utilisait la marche comme un acte militant contre certains grands projets d'urbanisme. Philosophe donc canado-américaine de l'urbanisme, Jane Jacobs, décédée en 2006, a contribué à changer l'urbanisme en Amérique du Nord. Elle est l'auteur, entre autres ouvrages classiques, de « Retour à l'âge des ténèbres », que je vous conseille, conseil de lecture, « La nature des économies, système de survie et les villes et la richesse des nations ». Le tout est édité chez Boréal, une maison d'édition canadienne basée à Montréal qui publie en langue française. Le programme démarche est, pour s'inscrire, c'est sur le site Mobilisons, bien évidemment Mobilisons avec un Z, .fr et sans S. Au Mobilier National, une exposition exceptionnelle présente les grands décors restaurés de Notre-Dame dans la Galerie des Gobelins. Décors restaurés qu'on ne voit pas dans Notre-Dame tellement c'est loin et c'est haut. Voilà. À la veille de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 8 décembre prochain, le Mobilier National et le ministère de la Culture s'associent pour présenter au public les chefs-d'œuvre du décor intérieur de l'édifice, soit 21 tableaux de grand format, parmi lesquels 13 grandes mets, M-A-Y-S, je vous dis ça parce que je suis allée voir sur Wikipédia ce que c'était, restauré dans le cadre d'un chantier mené avec l'appui du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Les mets, donc, sont de grands tableaux commandés par la Corporation des Orfèvres parisiens, en accord avec les chanoines de Notre-Dame, pour les offrir chaque 1er mai. Ils sont réalisés entre 1630 et 1707 par des peintres célèbres à leur époque. D'autres objets complètent cet ensemble, la tenture de la vie de la Vierge tissée pour ronder le cœur du XVIIe siècle en 14 pièces, l'immense tapis de savonnerie offert à la cathédrale par le roi Charles X, et quand même, les maquettes du futur mobilier liturgique actuellement en cours de réalisation, et bien évidemment,
parce que nous sommes en France, très critiquée. Galerie, c'est à la Galerie des Gobelins, c'est jusqu'au 21 juillet 2024, du mardi au dimanche, de 11h à 18h. Il est conseillé de réserver en ligne sur le site du Mobilier National. Enfin, pour faire suite à l'agenda d'octobre qui signalait l'exposition sur l'art des charpentiers japonais, nous vous conseillons la lecture « La maison japonaise depuis 1945 » aux éditions Parenthèse, maison d'édition marseillaise que nous n'avons plus à présenter. Si cet ouvrage invite à découvrir le foisonnement créatif des architectes japonais à travers une centaine de portraits de maisons, il est surtout une plongée dans l'histoire de la société japonaise de la Deuxième Guerre mondiale, où il a fallu renaître de ses cendres, jusqu'à aujourd'hui, période des années 2020, nommée « panique pandémique ». En passant par la restructuration et le redressement dans les années 50, le miracle économique des années 60, les expositions et exportations dans les années 70, le temps de la prospérité des années 80, la désillusion des années 90, l'ascension sociale des années 2000 et enfin l'avènement du Cool Japan des années 2010. Il est écrit par l'architecte Naomi Pollock et ce livre explore une société où la maison individuelle, on revient au bourg, mais c'est au Japon, la maison individuelle reste reine malgré l'exiguïté des parcelles, où changement de propriétaire implique souvent démolition, reconstruction, et où l'innovation des formes et des matériaux est légion. Un ouvrage de référence qui n'oublie pas l'avenir, avec l'évocation des dernières tendances de la conception collaborative, de l'utilisation de matériaux plus locaux et de la rénovation et du réemploi. C'est donc « La maison japonaise ». Depuis 1945, Naomi Pollock, il est préfacé par Tadao Ando et c'est aux éditions Parenthèse et c'est à lire et à offrir. Merci Dominique pour ces conseils, lecture et visites, toujours très pertinentes et très intéressantes. Alors, c'est un peu l'heure de conclure, on a en quelques minutes pour échanger là-dessus. Alors, pour faire un peu la synthèse, j'ai l'impression que ces problématiques sont extrêmement larges, hein, à la fois préserver l'histoire, le patrimoine, et puis d'un côté, transformer radicalement les bourgs pour leur redonner toute leur attractivité. Est-ce que ce n'est pas une sorte de grand écart énorme à faire, Isabelle Moulin ? Alors, il y a un mot, c'est radicalement. Je ne sais pas s'il faut transformer radicalement. Non, mais on a cru comprendre quand même qu'il fallait apporter pas mal de changements. Oui, je pense que alors il faut faire du sur-mesure, bien sûr. Un curseur à placer. Moi, j'ai envie de dire, c'est très riche, les bourgs. C'est une échelle qui nous parle, parce que c'est aussi les souvenirs d'enfance de beaucoup d'entre nous qui venons de la campagne, même pour des gens immigrés, d'ailleurs, qui viennent souvent de la campagne aussi, des nouveaux habitants, des nouveaux résidents en France. Mais il faut aussi s'attaquer aux villes et pas oublier les grandes villes, parce que je pense que là, c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est le sujet de d'autres émissions effectivement et on n'a pas oublié ces sujets-là. Aziz Broudic, comment vous arrivez à approcher cette espèce de grand écart entre les différentes problématiques sur les bourgs en France ? Disons que je pense que les centres-bourgs ont la chance de disposer quand même d'un certain nombre de ressources, de potentiel en présence, donc ça c'est fondamental, et aussi d'habitants, d'élus qui sont impliqués, qui connaissent très bien leur territoire. Et je ne mettrais pas ça en opposition non plus avec les villes, qui sont souvent proches, où il y a une certaine complémentarité finalement qui se tisse. Donc non, je pense que les centres-bourgs ont un certain nombre d'outils aujourd'hui qui peuvent leur permettre justement de se renouveler, de se redynamiser. Parce que ce qui est intéressant dans les bourgs, c'est que c'est la taille intermédiaire qui crée ce maillage territorial entre la ruralité et la ville, voire même la métropole. Et ça, ces problématiques sont quand même assez présentes dans ce côté réseau. Comment vous voyez ça du côté d'Europan ? Mais on l'a posé justement cette question à Europan. Je parlais de la Corrèze, mais aussi il y a le pays de Dreux. Il y a énormément d'échanges. En fait, on est dans des sociétés d'échange aussi. Donc il y a tout ce réseau, il existe. Et il faut l'activer en fait aussi. Pardon. Excusez-moi, je m'étouffe. Voilà, donc c'est une opportunité, c'est très intéressant.
ces différentes échelles mises ensemble, reliées aussi par un paysage souvent, et la grande ville, là où il y a beaucoup de questionnements, c'est aussi sur les périphéries urbaines, qui ne sont ni des bourgs, ni le centre-ville très actif et vivant d'une grande ville, et où souvent il y a des temps morts, il y a des lieux morts. J'ai envie de dire, enfin, il y a une certaine... c'est pas très sympathique pour les habitants, mais il y a quelquefois il y a un grand manque là de projets et d'investissements. Alors le CEREMA a fait une très bonne étude avec 17 fiches à l'attention des maires et des décideurs justement sur comment revitaliser les bourgs, et ils avaient aussi classé en deux types de bourgs. Il y a les bourgs demi-rurales qui sont souvent un peu isolés, et les bourgs de troisième couronne de métropole qui sont assez similaires d'un point de vue de morphologie, mais qui ont des problématiques complètement différentes, justement par cette proximité avec la métropole, qui est comme une espèce de... Eux, ils sont un peu en satellite. La mobilité est toujours une chance, de toute façon. La mobilité, elle est essentielle. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je vous propose de conclure. Je vous remercie, Isabelle Moulin, je vous rappelle, secrétaire générale d'Europe en France. Alors, vous êtes là encore pendant combien de temps ? Pas très longtemps. Voilà, pas très longtemps. Et... on est en train de rechercher. Enfin, voilà, on a, je pense, bientôt trouvé la personne qui me succédera. D'accord. À l'association Europe en France. D'accord. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter, cette personne. Voilà. J'espère bien. Voilà, tout à fait. Merci à Zélie Broudic, donc de l'agence ZCCS, parce qu'on mélange les lettres, mais oui. ZCCS. Et puis à très bientôt pour suivre vos différentes avancées en termes d'urbanisme et d'aménagement d'espace public. Merci David Trottin, merci Dominique Boré, on vous retrouve le mois prochain, comme à chaque émission. Merci à Théo, à la technique, et ainsi qu'à Eric France pour cette parole accordée. N'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes, on les a rappelées, elles sont toujours aussi pertinentes, j'en suis sûr. Vous pouvez les écouter depuis n'importe quel player de podcast, ou sur le site de Bâti Radio, même sur YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.